Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Seed of Investigator. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un être particulier qui s'appelle Gladys, que j'ai eu l'honneur, qui a pris contact avec moi, que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Elle va vous raconter son vécu, ses contacts, et pour un début de saison, parce que ça fait une petite pause que j'ai fait depuis maintenant un mois et demi, eh ben on va commencer sur les chapeaux de roue et avec cette personne merveilleuse. Donc, bonjour Gladys. Bonjour Kevin. Comment ça va? Ça va très bien. Un peu nerveuse, mais ça va. Parfait. Donc c'est la première fois que tu fais une entrevue, c'est ça? Complètement. Ouais. Comme je t'ai dit ce matin, j'étais contente de rencontrer des bonnes âmes. Donc le courant passe bien, donc je me sens bien avec toi de commencer à parler de tout ça. Parfait. Écoute, c'est un honneur pour moi puisque c'est ta première fois. Et alors, qui est Gladys? Alors, Comment ça a commencé tout ça? Gladys, c'est une fille très simple qui vient de la campagne des Ardennes en Belgique, hein, du côté des Ouailles, donc un petit village à Arzé. Une fille très simple, une enfance merveilleuse, avec quand même une particularité où j'ai remarqué dès l'âge de 5-6 ans que mes sens augmentaient. Moi, ça commençait toujours par le sens tactile. Et puis les autres sens augmentaient. Et je ne savais pas c'était quoi. Et ce qui était un peu plus impressionnant, c'est le système temporel, hein. Donc en fait, vous avez le côté tactile, le visuel, l'auditif, le goût, l'odorat. Et puis ça augmente, augmente et t'as pas de contrôle. Et puis je pensais que c'était normal. Je pense encore aujourd'hui que c'est normal. Parce que c'est vraiment ça. Donc, comme on est quand même sur une chaise d'investigation, je pense que je suis en train actuellement, j'avais écrit deux livres il y a un certain temps, et je suis en train d'écrire un autre livre roman graphique. Et dans les romans graphiques, j'ai des histoires de contact. Et c'est pour ça que je t'ai contacté, Kevin. Parce que je suis là, wow, mais attends, dans ce que je suis en train de dessiner, j'ai des contacts, moi. Et moi, ce qui m'apportait le plus, c'est la matière énergétique. Mon sens tactile qui parle à mes sens et qui me communique avec toute chose, la nature, les gens. Et puis, voilà, je me suis fait un, c'est bien un plan pour être Oui. sûr et certain de ne pas perdre le fil. Donc, une naissance normale, hein, je lis un petit peu des fois. Mes sens qui augmentent, comme j'ai dit. Et puis, j'ai commencé à trouver ça. J'ai rationalisé vers l'âge de 5-6 ans que c'était comme ça un petit peu que je vivais les choses. J'allais tout le temps dans les bois avec mon chien. Et pour moi, c'était naturel de parler aux âmes, aux énergies et des êtres qui communiquaient avec moi par l'intérieur. Je trouvais ça normal. Je regardais le ciel et puis je trouvais ça totalement normal. Mais en vieillissant, comment dire, quand vraiment le cerveau rentre dans la matière de la pensée collective de l'école, tu as des peurs parce qu'on ne parle pas de ça, on ne parle pas d'énergie, on ne parle pas de choses qui nous parlent, d'accord? Et comment dire, un bonjour, comment dire, en vieillissant, j'avais 7-8 ans, j'avais des talkie-walkie, et avec mes talkie-walkie, je savais que je parlais avec eux de l'intérieur, mais je me suis installée un soir près d'une fenêtre dans ma chambre, et puis j'ai commencé à parler avec eux en leur disant, faut pas venir sur la terre, ils sont méchants, ils ont de mauvais courants. Franchement, merci de parler avec moi, et je sais que vous m'écoutez, je prends un talkie-walkie, mais en fait, vous me parlez depuis toujours. Et je parlais comme ça, j'ai parlé pendant au moins 4-5 heures avec eux, et puis je me suis dit, bon, pour percuter la réalité, et ce que je savais inconsciemment depuis toujours, j'aurais demandé une preuve. J'aurais dit, je parlais à mon talkie-walkie, je disais, OK, je dis j'ai peur, parce que là, vous rentrez dans la matière de la réalité, même si mes sens savaient que c'était naturel. Je dis, j'aimerais bien qu'à minuit, vous mettiez une lumière dans ma chambre, d'accord? Mais ne me faites pas peur, parce que je sais que vous êtes là, d'accord? Et vous communiquez avec moi en dehors du talkie-walkie. Et alors, j'étais dans ma chambre, comme ça, je vois 11 h et quelques. J'étais là, putain, ils vont mettre Omni. Est-ce qu'ils vont vraiment venir? Est-ce qu'ils vont vraiment faire la lumière et tout ça? Et puis là, à un moment donné, il était 11 h 50 et quelques. Puis je commençais à avoir le cœur qui battait et tout ça. Puis je me dis, ah, oh, s'ils vont sûrement
Enfin, tu sais, tu te mélanges un petit peu, t'as 7-8 ans. Et puis là, à un moment donné, le flash arrive, hein. La lumière intense arrive. Je prends ma couverture, je me mets en dessous, je vois la lumière traverser la couverture. Je suis choquée. Et à la fois, j'avais tout le système électrique de mon être était heureuse parce qu'elle le savait. Et le côté rationnel avait la preuve pour la connectivité de la conscience collective. Pour ça qu'aujourd'hui qu'on parle de la conscience de ces épreuves-là, d'une réalité. Et comment dire, je me lève le matin, je m'endors vite parce que j'ai beaucoup d'émotions. Je me réveille le matin et ma fenêtre était ouverte et il y avait de la gelée. Le matin, en Ardennes, il y a souvent du givre partout. Et il y avait du givre partout dans ma chambre. Je faisais. Et puis il y avait de la brume qui sortait de ma bouche, de la purée. Là, j'ai rien compris. J'ai vite été fermer la fenêtre. J'avais peur que maman m'engueule parce que j'avais laissé. Tout était mouillé, un peu détrempé, cristallisé dans ma chambre. Et voilà, c'était vraiment quand j'ai pris conscience. Mais c'est des choses que j'ai jamais vraiment parlé du tout. J'ai jamais parlé de ça, d'accord? Et dans tous ces amas-là, un souvenir émotionnel sensoriel que j'ai toujours eu et que j'ai encore très fort, c'est d'être avec régulièrement, d'être avec tous les enfants du village et tous les enfants à voler au-dessus d'un champ près du château de Arzé. Tu iras voir, il y a le village de Arzé, il y a Ewa qui est la commune et Arzé. Et il y a un endroit, il y a une grosse ferme un peu plus loin que le château, et c'est comme si on atterrissait là des fois et on volait. Ça, c'est la seule chose que je sais, mais tout était cool. Il n'y avait pas de drame, il n'y avait pas. Je sais que j'ai vu des choses, des gens qui ont passé des mauvaises choses. Moi, tout était vraiment positif et mes sens me parlaient toujours. D'accord? Vers l'âge de 13 ans. Attends, juste t'arrête. Par exemple, là, par contre, tu ne te souviens pas ce qui s'est passé entre le moment où tu as vu cette lumière forte et le moment où tu t'es mis à voler. Ça s'est revenu le lendemain matin, mais tu t'es. Est-ce que ce temps-là, tu te Cette souviens de nuit, ce qui s'est passé pendant cette nuit-là? je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que je me rappelle et j'ai encore la sensation et l'émotion de voler avec plein, toutes les énergies et les esprits des enfants de mon village, comme si on était une grande équation. C'était, maintenant, je sais un peu. Ouais, non, je n'ai pas de souvenir de ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'était bien, positif. D'accord. Vas-y, je te laisse continuer quand tu avais 13 ans. Par contre, quand j'ai 13 ans, tu sais, les hormones changent. Une petite fille devient une femme. Et là, les émotions commencent à. Et là, mon système temporel, j'arrêtais pas d'en parler à tout le monde, à mes copines et tout ça. Et je dis, tu sais, je sors la matière, puis des fois j'entends très fort. Ah oui, j'avais fait ça. Attends, je reprends un petit peu. Ouh, on recule en arrière. Une fois à ma maman, avant de mes 13 ans, je sors de la chambre et mon accélération, augmentation de mes sens se fait. Et maman pensait que j'étais fatiguée. Je dis, maman, regarde mes mains. Et je dis, tu parles trop fort. Et puis c'était vraiment. Les sens étaient trop forts, en fait. Maman, une gentille maman extraordinaire, elle me dit, t'es fatiguée, allez, va au lit. Ok, d'accord. Et j'ai plus jamais essayé de reparler à maman, mais maman a un cœur immense pour plein d'autres choses. Et comment dire, par la suite, donc à 13 ans, je vivais ça mal à cause de mes hormones, j'essayais de le dire à mes amis. Et chaque fois que j'en parle à mes amis, ils oubliaient. Et quand je leur disais, ouais, mais je t'en avais parlé, ils oubliaient parce que c'est une perception que les gens n'ont pas, c'est normal. Alors j'ai fait un mea culpa par rapport à ça, tu sais. Et puis j'ai toujours eu ces accélérations, je savais pas quoi dire. Moi, j'ai appelé ça mon phénomène. J'ai appelé mon phénomène jusqu'à l'âge de 27 ans. J'ai dit que c'était mon phénomène. Après, j'ai découvert un mot compliqué qui s'appelle de la synesthésie. La synesthésie, c'est des gens qui voient des couleurs pour des formes et tout ça, c'est deux ou trois sens mélangés. J'ai dit, moi, j'en ai 5 à 6 avec système temporel. Je dis, je vis dans quelle case? Je trouvais rien. Mais comment dire, donc j'ai découvert tout ça un peu au Québec, en fait. Donc à l'âge de 23 ans, j'ai eu la même phrase que toi. C'est maintenant ou jamais. Ça me touche parce qu'en fait, tu sais qu'on a des équations temporelles. C'est ça. Est-ce que tu peux expliquer, parce que on a eu de longues discussions en off,
sur ce qui est une équation temporelle pour toi, parce que toi, bah, tu fonctionnes pas comme un humain normal, on va dire, comme une personne normale. Tu as des perceptions différentes, tu vois des choses différentes, et toi, pour toi, tout est courant électrique, si j'ai bien compris. Ouais, courant électrique et plein de dimensions. La seule chose, le seul film, on va dire, qui pourrait m'associer un petit peu, c'est le film Lucy, où on voit l'accélération et la densité de tout. Bah, c'est ce que ça fait. Mais moi, c'est un petit peu plus fort. Vous trouvez que c'est le film est impressionnant, mais quand t'es dans la matière, c'est s'il n'y a pas de mots. Et donc j'arrive au Québec. C'est maintenant ou jamais. Et il y avait quelque chose de marrant avec c'est maintenant ou jamais. Il y avait une synchronisation du temps. J'ai pas répondu à ta question. Je m'excuse. C'est quoi les équations? C'est ça que tu m'as posé, hein. Oui, mais après, si ça répond à la question, vas-y, déroule, hein, il n'y a pas de problème. Ok, pardon. Et alors, comment dire, j'arrive au Québec, mais quand ils m'ont dit c'est maintenant ou jamais, je suis arrivée à Montréal et puis toutes les énergies me parlaient et me disent tu vas attendre. Car c'est le temps d'attendre. Le temps d'attendre. OK. Et je devais attendre à un endroit. J'étais coiffeuse. Je suis toujours là au centre-ville de Montréal, en dessous des promenades de la cathédrale, en dessous d'une grosse église. Et comment dire, je travaille toujours là depuis plus de 20, ben, 19 ans, 20 ans. Et je travaille dans ailleurs aussi. Mais comment dire, au salon de coiffure, ce qui est bien, c'est que j'ai rencontré une autre Italienne incroyable qui, chaque fois que mes sens augmentaient, sa fréquence me touchait, pouf, ça s'arrêtait. Tant mieux, parce que émotionnellement, des fois, c'était trop fort, tu sais. Et j'ai fait une recherche, j'ai été hypnotisée aussi à l'âge de 27 ans, en fait, en me disant, c'est pas possible, c'est quoi ce phénomène? Je ne savais pas que c'était de la synesthésie, c'était mon phénomène. J'étais à l'école de l'hypnose du Québec qui était à l'époque sur la rue Masson. Et c'est une dame qui m'a hypnotisée, elle me dit, qu'est-ce que tu veux savoir? Je dis, je voulais lui expliquer mon phénomène, aller voir en hypnose si j'étais pas folle, parce que je pensais que j'étais folle. J'ai même demandé à maman si dans nos ancêtres, il y avait des problèmes psychiatriques, j'ai fait moi une grosse recherche, parce que je me disais, impossible d'être aussi percevoir comme des applications de téléphone autant de choses en même temps et de vivre. C'est hallucinant. Et comment dire, j'ai été faire hypnotiser par une dame extraordinaire. Au début, c'était pas facile parce qu'elle me dit, Gladys, ça va être difficile parce que tu as un accent européen et moi, je suis québécoise. Alors, il a fallu d'abord voir si on avait le lien de confiance, ça a marché. Puis en hypnose, on est retourné dans toute mon enfance et tout ça, quand mes sens ont explosé, tout ce que elle me disait, elle me dit, ah ben, on... et c'est vrai que j'ai vu que ça a toujours fait partie de moi. Et elle m'a dit, stop, donc, moi j'étais en colère. Chaque fois que quelqu'un me dit, j'ai un danger en colère, je pète une plombe. Il y a quelque chose de rationnel à raconter, c'est sûr. Je n'aime pas quand on me dit ça. Même si c'est produit plein de choses bizarres, que les gens disent que c'est des dons. Moi, je sais que c'est des connexions énergétiques à travers un système temporel. Et je suivais toujours le temps. Alors, c'est assez amusant parce qu'avant de venir au Québec, mon ancien conjoint descendait de la famille royale russe et mon conjoint que j'ai rencontré à Montréal, il descendait de la famille royale polonaise. Et les gens que je coiffais au salon de coiffure, j'ai rencontré une descendante des samouraïs japonais, mais vraiment une directement lignée. J'ai rencontré un gars qui a fait sa lignée en Chine, a fait le mur de Chine. Une autre Italienne qui descendait de royauté italienne. Enfin, ça, plein de gens comme ça. Pour moi, ça connectait très vite. Ok, je continue à suivre le courant. Je continue à suivre le courant à travers le temps. Je suis là et puis, je ne sais jamais quand mes sens vont augmenter. Je ne le sais jamais, jamais, jamais. C'est avec la matière temporelle et des réactions chimiques. Et c'est ce que j'ai découvert après avoir été hypnotisée. Donc, elle me dit que c'est normal, t'as un don, blablabla. On m'en fout. Et comment dire, après, j'ai découvert donc le monde de la synesthésie. C'était plus clair pour moi. J'étais
Bon, j'ai mieux accepté ce mot-là est magique. Les mots sont vivants et magiques et stabilisent les courants d'énergie quand on trouve la formulation qui nous convient, à tous en général. Bon, alors, j'ai 27 ans, je parlais à un moment donné, c'est marrant parce que toi, j'avais vu dans un tes reportages que tu adores les orbes, ok? Et moi, à un moment donné, justement, aux alentours de 27 ans, je les voyais tout le temps. Alors, avec mon ancien conjoint, il me faisait l'exercice de prendre un appareil photo et chaque fois que je lui disais, va là, va là, va là. Et papa, il en prenait plein. Il dit, mais comment tu les vois? Je dis, je les vois, mais je vois des choses avec mes sens augmentés depuis ma naissance que je peux pas. J'essaye d'apprendre à les dessiner. C'est là où je suis en train de faire mon livre actuellement, où j'essaye d'exorciser l'énergie en moi pour essayer de comprendre. Et comment dire, donc j'ai fait des vidéos sur les orbes et tout ça, j'étais impressionnée, puis j'ai compris la matière, donc je me dis ça, c'est des âmes, c'est des énergies d'un peu partout, il y a toutes sortes de choses, etc. C'est là où j'ai vu, quand j'ai fait des communications un petit peu, parce qu'il y a un mélange, tu sais, toujours de médiumnité, clairvoyance, et des choses qui s'ouvraient des fois en moi et je ne savais pas comment contrôler ces choses-là. Je devais juste les vivre et passer à travers ce courant du temps pour remonter le temps énergétique à travers des vies que j'avais eues sur la Terre. J'ai rencontré, entre autres, au salon de coiffure, quand je suis arrivée à Montréal, deux êtres importants qui m'ont fait, qui m'ont, où mes sens ont été hors contrôle. Hors contrôle, mais c'est des âmes qui m'avaient tuée dans d'autres vies. Aujourd'hui, on s'aime beaucoup. D'accord. On s'aime Donc, et. quand tu parles d'autres vies, c'est les vies antérieures. C'est ça? Ouais, j'ai vécu OK. quelques vies sur la Terre et puis apparemment j'avais peut-être à mon avis ces sens augmentés aussi à dans des autres époques, donc automatiquement sorcellerie, whatever, bûcher ma grotte, on va Mais cuire. où est-ce que, comment tu as eu accès à ces vies antérieures? Est-ce que tu as eu accès depuis toute petite, tu sais que tu as eu tes vies antérieures ou grâce à l'hypnose de que tu nous expliquais tout à l'heure. À l'hypnose. Ça a été en contact avec la matière, avec les clients. J'ai commencé à En touchant les réagir clients. chimiquement. Ouais. OK. D'abord, c'est amusant. Il y a une sorte de confiance. Il y a eu complètement l'innocente avec un qui est ingénieur. On était hyper proches et tout ça. On s'entendait bien et tout. Puis à un moment donné, je racontais une histoire d'énergie et tout ça, ce que je voyais et tout. Puis là, il me dit, tu sais, et ce jour-là, c'était terrible. Il me dit, tu sais, Gladys, il faut que je te dise quelque chose, hein. Je dis quoi? Je dis, tu sais, ma famille,
On a toujours dit depuis des générations, une famille québécoise, bon, qu'on est des descendants des gens qui ont mis entre autres Jeanne d'Arc sur le bûcher et d'autres. Ils participaient au massacre de femmes qui avaient des sens développés, tu sais. Et le moment comme ça, il y a eu comme un silence, j'ai rien dit. J'ai senti des trucs électriques sortir de moi. J'avais aucun contrôle. J'étais là, c'est quoi ça? Et puis j'ai quand même compris que c'était le lien à travers le temps. Aujourd'hui, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est ça. Des fois, les gens ils disent, oh, mais quand dans certaines vies, les gens tuent des autres. Non, il y avait des choses à régler beaucoup plus complexes pour des calculs. On vit entre 20 et 30 000 jours dans un corps humain, donc automatiquement, on a des sections de vie pour générer des structures électroniques à travers un système temporel pour des équations futures. C'est pour ça que le passé crée le futur à travers le temps de beaucoup de choses et de chaque individu. Moi, c'est ça mon truc. Et la deuxième personne que j'ai rencontrée au salon, ces deux personnages-là, donc c'était des messieurs, un peu plus vieux que moi. Le deuxième personnage est un personnage incroyable. Il est avocat, juge aujourd'hui. Et puis, c'est ma plus vieille relation avec un homme au niveau capillaire, a dit. Et lui, il fait des grandes recherches sur la généalogie du Québec et tout. Et lui, ça a déclenché deux ou trois fois. Il y a eu plein d'histoires avec lui, mais sans se déclencher. Jusqu'au jour où un jour, j'avais l'air possédée. J'arrive au salon, mais sans se déclencher. Je le regarde, je dis, qui es-tu vraiment? Je dis, qui es-tu vraiment par rapport à Jeanne d'Arc et tout le tralala? Et puis là, il y a eu un silence, j'ai ma colère qui montait. C'était pas beau à voir. Et puis là, il était il a commencé à m'envoyer tous les fichiers de recherche sur Jeanne d'Arc, sur les autres femmes qui ont été brûlées et tout le tralala. Et puis moi, je suis en train de me dire, m'intéresse pas les preuves. Moi, c'est mes sens, mes preuves. M'en fous parce que vous vous trompez dans l'histoire du temps. Il y a plein de... C'est qui a écrit ça, hein? Bon, enfin, soit. Et puis, avec lui, ce qui est amusant avec cet avocat juge qui fait des recherches pour la généalogie, à un moment donné, j'étais très mal dans ma vie et des courants électriques sont sortis de lui et m'ont branché, m'ont rebranché, m'ont donné du courant électrique, mais c'est divin, c'est divin. C'était de toute beauté. C'était un courant divin. Et là, je comprends les équations temporelles où là, tu te fais tuer. Là, après, tu dois pardonner par le cœur pour par la suite comprendre le système de la pensée au niveau du temps. La matière de la pensée change en fonction des siècles et du temps, peut-être pour des équations plus grandes qu'on ne connaît encore, cette réalité. Et donc c'était toute l'aventure avec ces deux êtres-là qui j'aime beaucoup 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 aujourd'hui. On est des super amis tout ça, mais je sais par mes sens qu'on a vécu ça dans les anciennes vies. Et voilà. Attends, je suis mon plan. Oh oui, attends, pas loin. Donc j'avais 27, 28 ans, là, un peu, ouais, je devais avoir la tête 28 ans. Je suis à la maison. Je vais faire dodo. Normal. Je te dis, ça se déclenche comme ça doit déclencher mes trucs. Et là, je ne sais pas, un soir, aucun contrôle, le courant électrique de mon cœur se mit, mais vraiment à être intense. C'était incontrôlable. J'étais couchée dans mon lit. Et c'était incontrôlable. C'était le soir. C'était vraiment incontrôlable. Et puis, ça sortait, ça jaillissait. Puis, j'avais peur parce que j'ai jamais senti ça. Et puis, paf, il y a une porte dimensionnelle vivante qui est apparue avec trois mecs qui sont sortis. J'ai eu la chienne de ma vie. J'ai eu la chienne de ma vie. J'ai failli mourir sur place. J'étais tellement... J'étais vraiment très... Très, très ébranlée de ce contact. Et j'étais très contente le lendemain, il m'avait enlevé la mémoire. Et ce que j'ai compris, c'est que, un, c'est moi qui les ai appelés. Deux, on ne connaît pas la vie bioélectrique. Pourquoi? Parce qu'on pense que les mots, à travers le temps, ne sont pas vivants. D'accord? Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est. Moi, je me suis traitée d'idiote. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis idiote? Je suis complètement conne. Je ne sais même pas comment utiliser mon système bioélectrique.
mes émotions, mes sens. Et puis c'est arrivé, et c'est comme moi, je les ai appelés, ces sentiments-là que j'ai eus. Et la porte a été comme vivante, et elle faisait sortir les gens qui m'ont enlevé, qui m'ont laissé que le souvenir d'un dessin que j'avais fait au D'accord. crayon, qu'après j'ai amélioré en faisant ma BD graphique. Est-ce que tu peux nous les décrire, ces entités-là qui sont rentrées par cette porte? Et est-ce que tu peux nous décrire, bah, vas-y, déjà la première fois, déjà, est-ce que tu peux nous décrire ces êtres? Non, non, Non? c'était des silhouettes, des Des silhouettes, silhouettes. des Ok. silhouettes vraiment tangibles. La porte m'a impressionnée parce qu'elle était comme La porte, quand tu contactée avec disais, mon cœur. ok, tu disais vivant, Oui. mais qu'est-ce que tu entends par vivant? Alors, Quel est le c'est sens du vivant pour toi? tout. C'est mal barré là. Tout est vivant. D'accord, oui, dans l'énergie quantique, oui, d'accord. Tout est Mais pour vivant. que quelqu'un, on va dire de, ok, qui ne connaît déjà pas Gladys, qui connaît pas, qui vient d'arriver sur la chaîne et qui dit, ok, qu'est-ce qu'elle raconte? Même moi qui n'ai jamais vu ça de mes yeux, est-ce que le portail vivant, comment est-ce que tu peux le décrire? Est-ce que c'était des formes géométriques? Est-ce que Oui, c'était... c'était des formes géométriques, ça brillait très fort, c'était dans les Ok. couleurs turquoise bleu clair, c'était d'une beauté. T'as déjà vu un diamant extraordinaire, mais c'était encore plus beau, c'était d'une beauté exquise et en même temps c'était vivant, ça communiquait. C'était magnifique. D'accord. Mais les êtres, et j'ai vraiment eu peur, donc ils m'ont vraiment. Et puis le lendemain matin, j'avais juste la réaction en me disant. Mais je suis conne, je connais même pas la vie bioélectrique. Mais je suis stupide, les humains, on sait même pas ça. On n'est pas au courant du courant qui nous habite. Est-ce que tu peux l'expliquer ça? Est-ce que aujourd'hui tu as fait tes recherches? Ben justement, on va revenir au courant électrique. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est pour toi le courant électrique. Tout. Mes sens. Alors, à partir de tous les cinq sens humains, vous avez des OK. perceptions et toutes ces perceptions, ça, sont électriques. Si elles sont en connexion avec votre rationnel et vous suivez vos sens, que ça soit au niveau gustatif, visuel, odorat, de l'écoute, vous allez suivre vos sens. Et moi, c'est une information électrique qui vous est donnée de suivre. Vous devez suivre absolument le courant de vos sens. On dit feeling en anglais, mais c'est plus dimensionnel. C'est comme si il y a des choses qui, il y a pas de mots dans ces dimensions-là, comme c'est juste sensitif et sensoriel. Et c'est électrique si on calcule et qu'on regarde, hein, d'accord? Moi, c'est parce que je le sens comme ça, je le perçois comme ça, je vois comme ça, c'est ça. J'ai répondu à cette question? Ok. Ouais, et justement, là, tu m'entends une perche pour autre chose. Et déjà, est-ce que tu as eu des problèmes avec des appareils électriques? Justement, une interaction, des Ok. interférences? Alors là, je vais t'expliquer une histoire que chez maman. Je vais chez maman quand j'ai remarqué que je voyais les orbes, que c'était électrique et que je pouvais rentrer en communication chaque fois avec les esprits et que tout vibrait et que tout s'éteignait. J'étais chez maman. J'étais chez maman dans la vidéo des orbes. On voit même sa façade de sa maison où elle a son petit chapeau, où j'ai un gros orbe dans une vidéo de YouTube que je t'ai partagée. Où elle est vraiment, comment dire, où c'est arrivé ce moment-là, ce voyage-là, c'est là. J'étais chez elle et émotionnellement, je trouvais ça intense de sentir les courants électriques de ces orbes-là et d'être en communication. Et à un moment donné, on était dans le salon avec mon frère et maman, j'étais très émotionnelle, je les voyais passer, puis je dis, vous les voyez pas, hein? Alors elle dit non. Et puis là, je me suis comme branchée, je sais pas comment j'ai fait, l'émotion de la peur et à la fois de la conscience, je me suis comme branchée à dire à maman et à mon petit frère, écoute, je dis, regardez, ça va partir par là. Et chaque fois que ça partait par là et que ça rentrait dans la pièce, les lumières s'éteignaient. Moi, j'étais là. D'accord. Pour moi, j'étais contente de le montrer à maman. Maman et mon frère étaient un peu fermés malgré qu'ils voyaient les lampes éteindre et s'allumer. C'est un peu Space Mountain, Gladys, et puis. Justement, est-ce que c'est toi qui avait, on va dire, Actionner en même temps actionné l'électromagnétisme. l'électricité?
En Ou réaction est-ce avec que c'est ces orbes-là que tu voyais se déplacer qui éteignaient Non. les lumières? Non, c'est avec ton champ d'énergie. Les réactions électriques de tout appareil, de toute réaction d'énergie, c'est toi et la matière énergétique. Tu es en choc émotionnel et ça crée des variations. C'est vraiment beau. D'accord. C'est exactement ça. Et ouais. Je te laisse poursuivre du coup. Quand ils J'essaie. t'ont, ces êtres-là sont passés par la porte, ils t'ont effacé la mémoire. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a suivi des cauchemars ou d'autres rêves? Ben, j'ai eu beaucoup d'expériences avec plein d'autres choses, des contacts plus avec les énergies, les esprits, des messages que je devais faire à des gens et tout ça, pour bon, plein de choses comme ça. Mais avec eux, il n'y a qu'une chose qui est toujours une obsession chez moi, c'est on n'est pas conscient des vies bioélectriques. On n'est pas conscient. On n'est pas conscient. C'est comme, waouh! C'est pour moi c'est juste ça, je suis restée calée dans cette perception-là. Et quelques temps après cet événement j'ai écrit mon premier livre Voilà. en Et c'est 3-4 jours. impressionnant. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est Et impressionnant le nombre. T'as écrit ça, pratiquement en écriture automatique, c'est ça? je bougeais, je marchais, je suivais les courants du temps à travers le langage, du sens de maintenant. Ok. Donc j'ai vomi ma vie, excusez-moi pour la grossièreté, mais c'est un peu la même chose. J'ai vomi ma vie. Et puis quand je suis arrivée avec tout ça d'écrit, j'ai appelé une fille pour m'aider à corriger. Ça a pris un an et quelques parce qu'il n'y avait pas de point ni de virgule. Ouais. On a dû trouver les chapitres dedans. On a dû trouver. Fallait que ça sorte, c'est ça? Il fallait vraiment que ça sorte. Ouais. Et en même temps, ce livre-là est pour moi, et encore jusqu'à aujourd'hui, un soutien énorme. Donc pendant la période de ce livre-là, ben, j'ai fait beaucoup de dessins, d'accord, aussi, parce que je devais dessiner des choses je vais exprimer par des couleurs. Les couleurs, on sait bien, c'est une communication énergétique très importante dans le côté sensoriel, etc. Donc je devais faire. Je te coupe 5 minutes. Comment s'appelle ton livre? Le chemin de la vie est écrit et l'être s'écrit. L'énergie EIUS. Ça, Ok. c'est un très long titre, mais en fait, c'est le chemin de la vie est écrit et l'être s'écrit. J'ai mis la Ok. formulation de EIUS qui, en fait, qui m'appartient qu'à moi. Pourquoi? Parce que c'est la formule temporelle de l'évolution des langues à travers le latin. EIUS, c'est un déterminant pour déterminer l'énergie. L'information, l'union des sens. Eius. C'était ma formule à moi parce que mon accélération temporelle était trop forte. Mais à la fois, il y avait plein de messages dans ce premier livre-là. J'ai fait beaucoup de dessins pour m'aider et en même temps, je parlais du nouveau monde. Dernier chapitre. J'ai parlé de la vue cosmique, comme moi je voyais plein de trucs. C'est sûr Ok. que d'autres allaient arriver à voir la vie cosmique aussi. Il y a plein de choses dans ce livre-là, en fait, ça m'a fait du bien et je devais le faire. Je vais l'écrire et je devais partager. Et tout est basé donc sur 5 portes hein, dans le livre pour qu'il travaille vraiment les mécanismes, les guérisons intérieures. Et moi, j'ai toujours, quand j'ai fait ce livre-là, je me dis, c'est un voyage bioélectrique hein, de la conscience électrique du cerveau. Et toujours, je pense toujours comme ça. Mais d'ailleurs, quand tu Car regardes, les mots sont vivants. exact, quand tu regardes le cerveau, de toute façon, on dirait un circuit électrique. Ouais. La forme du cerveau en lui-même, on dirait ouais, un circuit. Un Mais les circuit. voyages des mots, tu sais. Mais là, si on part dans l'espace de Gladys, on prend 2 minutes, c'est pas grave. Si on regarde les mots, on lit dans un sens l'anglais et le français, les arabes dans l'autre sens, les chinois dans un autre sens. L'anglais et le français, les arabes dans l'autre sens, les chinois dans un autre sens.
Mais il y a des directions. Les directions sont très importantes pour le courant électrique, pour les formations énergétiques. Voilà, je parlerai ça un petit peu après, mais c'est vraiment prendre conscience qu'on ne lit pas et qu'on ne voit pas les choses dans le même sens. Déjà au niveau de la lecture, au Exact. niveau linguistique de tous les êtres sur la Terre. Donc, Et déjà, rien que la perception. Déjà, rien que la perception. tout venait, Toi, c'est t'as la perception, toi, t'as la perception hypersensitive. On va dire ça, c'est même, je dirais même ultra sensitive, que comparé à des êtres comme moi ou des gens qui n'ont même pas encore fait le travail, on va dire, d'éveil, si on peut appeler ça comme ça. c'est un travail d'éveil. Moi, je pense qu'on est des formes Non, électroniques à ouais, travers un mais de système toute façon, il y a temporel. quelque chose qui, il y a quelque chose, peut-être un courant électrique, tu peux expliquer ça comme ça, qui, dans ta vie, arrive, qui déclenche cette chose. Mais toi, tu l'as depuis ta naissance, pratiquement. Et depuis ces contacts que tu as avec des êtres, avec des personnes, des êtres interdimensionnels, que ce soit extraterrestres, interdimensionnels, ou d'entités, on va dire, désincarnées, humaines. Ouais. Ouais, Mais je te coupe effectivement. plus, vas-y, je te laisse continuer. Non, mais c'est bon, ça me remet sur le droit chemin de notre ligne temporelle. Alors, on a parlé du premier livre. Et puis, comment dire? Ah, ben voilà, on va en parler quand même, hein. La synchronisation avec des messages de la nature et les corbeaux. Oui. Ouais. Et quand j'ai rencontré mon ex-conjoint avec qui je suis 10 ans du côté de Belœil, j'ai rencontré parce que j'ai vu plein de corbeaux qui étaient arrivés à notre rendez-vous. Et les corbeaux, j'avais des visions du temps, de toute sa j'avais une vision dans le béton. Je me rappelle, le béton, il y avait des images qui se marquaient dans le béton devant chez moi à l'époque. Et comment dire, je voyais le visage de son ancêtre. Donc le temps était encore là. Et puis, il s'est passé plein de choses spéciales à notre rencontre. Et les corbeaux, surtout, étaient présents. Il y en avait une vingtaine, une trentaine au-dessus de nous quand on s'est rencontrés. Et puis, le jour où j'ai dû déménager, ils étaient tous là, ils sont venus me chercher. Et je l'ai même dit. J'ai dit, tu sais, il m'a dit, t'es sûre de partir? Je dis oui, parce que regarde. C'est comme dans un film. J'ai ouvert la porte, j'étais avec mes boîtes. Tous les corbeaux sont venus commencer à crier. Lui, il capotait parce qu'il croit beaucoup. Ben, il a vu que je pouvais prendre, que lui prenait des photos avec les orbes et tout ça. Mais tu sais, comme je dis, je suis mes sens. C'est très spécial à comprendre, ben, en général pour les gens. Mais les corbeaux ont toujours été là. Ils ont été là à plusieurs reprises. Entre autres, un petit peu avant, oh, ça, elle est bonne celle-là. Tu sais, je t'ai dit que j'avais un bon ami amérindien, parce que à travers le temps, c'était sûr que j'allais connecter avec une personne d'ici. D'accord? Alors, je contacte avec mon ami amérindien, incroyable personnage. Il parle quasiment 20 langues, je sais pas quoi, il parle. Il parle aussi aux animaux. Oh, je l'adore, il est vraiment génial. Et on a passé du temps dans les bois et tout. Et juste un petit peu, comment dire, ouais, c'était je pense en janvier ou février 2020, un truc comme ça. On était du côté de Mont-Tremblant. Et il me dit, viens Gladys, je vais te montrer, il y a un endroit énergétique dans l'eau. Alors je me suis dit, ok, on arrive sur un ponton du côté de Mont-Tremblant. On va sur le ponton et tu sais, je dis, eh, quoi, il est où ton... Attends, il disait que c'était un truc là, rond là. Tourbillon. Un tourbillon énergétique. OK. Alors, je dis, ok, donc j'arrive, on arrive sur le ponton, je dis, purée, il est où ton tourbillon énergétique? Je le niaise à fond. Et puis, à un moment donné, il me dit, attends, je me concentre. Je me suis concentrée, je dis, ah, ouais, c'est ça. Ça va faire quoi? Pouf. À un moment donné, là, on a fermé tous les deux notre gueule. Enfin, ça a commencé à vibrer, on a entendu les courants électriques, la nature. Et à Mont-Tremblant, c'est ça? Ouais, c'était une communication à travers le temps des formes. Il faut comprendre que cet ami amérindien est très original. Il a les yeux bleus, il est roux parce qu'il descend des Micmacs et
son arrière-arrière-arrière-grand-mère était la fille qu'on a donnée à l'Irlandais qui a débarqué. Tu sais, comme la fille du chef, là. Ça se faisait souvent il y a 400 ans. Et donc, lui et ses trois frères, et ses deux autres frères, ils sont sortis roux aux yeux bleus. Mais dans la famille, il n'y a aucun roux aux yeux bleus. Jamais. Donc, ils sont descendus. Et lui, il a aussi découvert. Donc, c'est pour ça qu'on était très proches, les anciens vides de Vikings et tout. On a vu notre C'est connexion à ça. travers le temps de nos âmes. Et comment dire, on a vécu ça donc à Mont-Tremblant, bah, plein d'autres choses, mais on a vécu ça à Mont-Tremblant. Mais là, c'était impressionnant parce qu'on était sur l'eau, puis c'est vraiment des courants électriques comme dans des films de science-fiction où c'est, mais c'est la nature qui nous parlait. Et moi, mon cerveau va très vite et je voyais les équations temporelles et je voyais qu'on prévient de quelque chose, d'accord? Et là, je vois un OK. corbeau qui me parle. Et là, je suis connectée à la matière. C'est des connexions à la matière. C'est ça qui est super impressionnant. Et comment dire, ben, un peu de temps après, ben, donc il y avait ça. Et il faut comprendre que mon ami amérindien, il a failli effacer mon deuxième livre, Tabarnache, parce qu'il était venu à la maison. J'ai failli l'engueuler. Et j'étais en train de faire mon deuxième livre, qui est La vie cachée de la situation de l'énergie humaine. Et c'était très important pour moi de parler donc des formes de la vérité et du mensonge. Et c'est comme ça. J'ai trouvé qu'il y avait une structure et c'est marrant quand j'ai écrit le deuxième livre, c'est pas passé comme le premier. C'est comme dans un film où les courants électriques s'arrêtaient. Chaque personne est une forme et j'essayais de trouver la façon d'interpréter et de mettre en image la structure de l'être humain à partir de son corps, le contenu et le contenant général du monde qui influence tous les courants bioélectriques de la matière de l'énergie humaine. Donc, comment dire, j'étais en train de faire ça avec mon ami amérindien, il est venu à la maison, il a failli tout effacer, j'étais en colère, il m'a dit, je t'ai jamais vu en colère comme ça, j'ai dit, tu comprends pas? Mais bon, je l'aime beaucoup, hein, on s'aime beaucoup. Donc, il s'était passé ça avec mon ami amérindien à Mont-Tremblant avec les trucs. Et puis après, bon, on a eu ce qu'on sait. Et moi, j'ai sorti mon livre en expliquant. J'étais comme dans une sorte de mission électrique. J'étais dans une mission. Fallait que je danse. Je dansais sur TikTok. Je faisais des cours de recettes de cuisine, car la vie est une recette. Je partais dans des dimensions assez amusantes. Mais t'as acheté des combinaisons, je dansais, tout tralala. J'y allais à fond, d'accord? Parce que je ressentais. Le problème, c'est si tu touches la matière qui, depuis mon enfance, par la naissance, je réagis hein, et j'étais en grande réaction et j'étais exactement fait pour ce moment. J'étais à 100% de mes capacités temporelles énergétiques et où je travaille, j'ai beaucoup de docteurs, je remontais leurs bretelles, j'essayais de les activer tous et c'était un très grand plaisir car j'étais très sereine avec tous les éléments qui continuaient à me parler avec une intensité incroyable. Et à travers tout ça, comment dire, j'ai aidé une personne en particulier. On est au début de la pandémie, on va le dire. Je reçois un appel à la maison. Un ami à moi de longue date qui a aussi un trait. Moi, j'ai peur d'Asperger, mais bon, j'ai beaucoup d'amis Asperger autour de moi. Des très proches et des très bons amis. Et lui, il m'appelle. Il me dit, Gladys, hein? Je dis oui. Tu as appelé Monsieur Carré? Je dis oui. Alors il me dit, tu t'imagines, c'est moi qu'ils appellent comme seul, allez, comment on appelle ça? Comme seul expert. C'est le seul expert, ils n'ont personne d'autre. Moi, j'étais là, en moi-même, puisque je le connaissais. Je dis, putain, on est dans la merde, parce qu'il n'y a pas d'émotion, lui. D'accord? Et bon, il y a eu beaucoup de contacts avec ces décisions. Les énergies, la matière énergétique m'a appelée à ce moment-là. C'était le début de la grande bataille. Dans toute cette affolée-là, ben, j'ai acheté à Monsieur Carré et à moi des petits bracelets avec des astronautes. L'astronaute. Ouais, c'est ça. Et puis, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Moi, j'étais le bleu, lui était le noir parce que lui, il trempait tellement dans le noir. Oh my God!
Mais j'ai essayé d'être gentille parce que les énergies me demandent de l'aider. Et je ne voulais tellement pas l'aider parce que c'était très noir, la structure électronique énergétique associée à tout le système dans lequel il était, même si c'était un bon client et ami depuis longtemps. Et tu sais, la personne qui m'a donné l'énergie de continuer, c'est une apparition que j'ai eue ici même. De temps en temps, les très, très bons clients viennent à la maison se faire une petite coupe de cheveux. Là, ici, là, il y a mon miroir, derrière ma chaise. Et alors, comment dire, ce monsieur-là, je ne vais pas dire son nom, je vais dire son nom de famille, car j'ai le droit de dire son nom de famille et je vais avoir le droit de le mentionner dans mon petit livre roman graphique. Donc, c'est une personne de la famille de l'ancien Premier ministre Parizeau, d'accord? Et comment dire, j'avais déjà vu l'énergie de ce ministre-là qui est décédé malheureusement autour de mon client. Et on avait eu beaucoup de conversations. Et à ce moment-là, ça synchronisait avec le temps, le fait que je ne voulais plus vraiment trop aider Monsieur Carré parce que c'était intense, même si l'énergie, les esprits, blablabla, m'en parlaient. Il me fallait quelqu'un d'humain. Je voulais parler à un humain. Je voulais que ça sorte de la bouche d'un humain que je devais continuer. Et le monsieur en question qui est en lien dans la même famille que les Parisots, je lui explique ma situation. Je dis, tu sais, je dois aider une personne qui est vraiment noire là. Mais je l'aime bien, parce que ça fait longtemps que je le connais. Mais je dis, c'est très fort, les forces sont fortes, j'ai du mal et tout. C'est comme plein de démons, c'est dégueulasse. Et puis là, il me regarde, mon client, il me dit, mais Gladys, la Terre est tellement remplie de démons qu'on a peut-être besoin d'un petit démon. Fou, c'est rentré en moi. J'ai vu par la suite hein, la structure électronique de ce côté-là et de l'autre côté, la structure électrique. Donc, je vois l'âme des fois et je vois toute la structure. Comment? Je vais essayer de vous le dessiner un jour. Je continue mon livre. Et comment dire? Je vois la structure projetée de ce côté-là de Monsieur Carré et l'autre qui bougeait dans tous les sens de la structure de l'ancien Premier ministre Parizeau pour les décisions financières internationales mondiales. Eh ben, j'ai vu que ça fusionnait et à la voix de mon client qui me dit, tu sais, on a peut-être besoin d'un petit démon vu la situation démoniaque. Oh ben, du coup, ça m'a parlé à mon cœur. Et là, j'ai dit, OK, je poursuis. Et là, c'était tout un combat d'énergie. Je sais pas vous expliquer. C'était un combat d'énergie jusqu'à temps que je tombe sur les vidéos de Kevin il y a pas longtemps. Et là, c'est vraiment impressionnant. J'ai découvert qu'il y a un truc galactique de je sais pas quoi. J'ai découvert qu'il y a plein de choses. Ça m'a parlé beaucoup. Elena Dana m'a vraiment parlé énormément à mon énergie. Jean-Charles Moyen aussi. Et surtout, Monsieur Marc Vermont, qui est une vérité émotionnelle que j'aime Ouais. beaucoup. Et qu'on salue. On salue tous les trois. Ouais, vraiment. Et donc, je vous ai découvert, donc, je pense c'est le 27 ou le 28 août que j'ai mis même sur ma page Facebook la vidéo, je vous ai découvert. Et là, ben, j'ai compris un peu que j'avais offert à Monsieur Carré des astronautes, je portais des combinaisons sur mes TikTok pendant toute ma guerre. Et là, il y a eu deux autres contacts. D'accord. Après, je tiens à dire que ce soit Elena Danahan ou que ce soit Jean-Charles ou Marc Bettemont, on n'a pas la vérité. OK? C'est juste, ils racontent leur vécu, ils n'ont pas la vérité, ils ne détiennent pas la vérité, ils n'ont jamais dit qu'ils détenaient la vérité. Par contre, ils racontent leur vécu. Voilà. Donc après, chacun prend ce qu'il veut, Oui, c'est des mais prismes. Hein. Mais moi, il y a des prismes voilà. qui m'ont parlé. Alors, dans les prismes de Dana, j'ai écouté de Elena, j'ai écouté son témoignage. J'ai senti ça. Oui, j'ai écouté son témoignage, j'ai pris son livre et puis je l'ai même pas lu et je pense pas que je lirai, même si je l'aime beaucoup, 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 beaucoup cette femme-là. Je voulais voir les dessins parce que, comme je vous ai dit, les sens doivent vous parler. Vous devez trouver les codifications énergétiques qui correspondent à des courants qui vous appellent. Et dans le livre, il y a eu de l'électricité. J'ai même pas voulu quand j'ai vu les courants sortir dans l'image, j'ai dit non. Je l'ai laissé sur le côté. J'ai attendu un petit peu de relaxer. Je l'ai apuré, je suis dans l'espace, ça y est. Gladys, elle voit le système temporel. Et là, elle se retrouve dans l'espace. Mais c'est quoi ce truc de. Tain, bon. Et alors, donc je vous découvre.
C'est un vrai plaisir. Donc, ça fait une vingtaine de jours que je vous découvre et tout ça. Et il y a eu deux connexions la nuit du 8 au 9 septembre. La nuit du 8 au 9 septembre, j'étais en train de parler avec un ami au téléphone jusqu'à 1 h du matin. Et puis après, je me suis comme endormie. Puis là, j'ai entendu des courants électriques et j'ai vu une sorte de visage dans un vaisseau. Mais je me suis dit aussi, c'est peut-être l'influence, tu sais. Je suis là, des fois un peu Oui, des très. fois, exact. Des fois, Ouais, quand on c'est. regarde des choses sur Internet, des fois, on peut rêver de la chose qu'on a L'influence. vue sur Internet. Exactement. L'influence des courants. Alors, j'ai relaxé le lendemain matin, j'ai pris ma petite bicyclette, j'étais faire un tour près du parc de la cité, pas loin de chez moi. Comment dire, en revenant, ben, je vois des nuages qui ressortent à des vaisseaux. Et puis là, je marche toujours par réaction électrique. Et là, je pense attaque. Et puis là, ça fait comme mon émotion sort et je vois des gros trucs bleus électriques sortir de moi. Je dis, OK, m'en fous des vaisseaux, moi, je crois à mes trucs bleus qui sortent de moi. Je crois que à ce que je percute. D'accord? Voilà, je suis rentrée à la maison, puis j'ai vu qu'il y avait eu des trucs au Maroc, des choses comme ça. J'ai dit, OK, d'accord. Et un dernier contact, jeudi la semaine passée, là, un être, j'étais un peu en colère. un être est apparu près du stationnement d'où je travaille. Il était comme translucide et tout ça. Je l'ai même regardé. Je sais pas faire mieux. J'étais vraiment pas de bonne. Parce que accélération temporelle, l'essence qui augmente, faire tout un parcours de l'histoire du temps, avoir les êtres les plus ancrés autour de moi, je pense. J'ai aussi un bon ami, je t'ai dit, qui a une des grosses compagnies d'intelligence artificielle et qui a eu 7 prix technologiques avec qui on a vécu une histoire de que j'ai brûlé ma chaussure avec mon courant électrique. Enfin, ça, je te passe les détails. Et tu sais, c'est comme je dis à tout le monde, moi j'ai fait des études de coiffeuse, d'esthétique, j'ai appris l'autodidacte à essayer de comprendre tout ça, la science, la physique et tout ça, du fait que mes sens augmentaient, je voulais comprendre, je pensais que j'étais folle, mais j'ai laissé par la suite mon courant découvrir les choses par eux-mêmes, mais là je découvre un monde comme ça avec l'ufologie et tout ça. Moi, je m'étais même pas mis là-dedans du tout, car moi, c'est sur des courants de cœur comme tout le temps. Et c'est là où les Mais... équations s'enchaînent. Tu sais, quand je suis au salon de coiffure, régulièrement, je vois des trucs électriques qui sortent des gens. Il y a des choses qui parlent. C'est vraiment de toute beauté. C'est magnifique. Donc voilà un petit peu. Ah oui, c'est ça. Excuse-moi. J'ai été voir la voiture. J'étais dans ma voiture. Il y avait le truc là et je lui ai dit de pas faire mieux. Et je suis rentrée dans ma voiture. Excusez-moi de savoir, mais je fume des petits cigares de temps en temps. J'ai fumé mon petit cigare et puis là, plaf, je vois une lumière bleue sortir comme s'il était parti, tu sais, de mon champ, mais il voulait que je voie. Je dis OK, d'accord. J'étais en train de bougonner un petit peu sur tout cet univers-là où tu as raison. Personne n'a vraiment la vérité. On est tous des fragments de vérité énergétique et il faut qu'on suive nos C'est ça. courants. Mais ce qui est important, c'est que par contre, on a tous la vérité sur notre vie, puisqu'on le vit. Oui. Donc, les gens, quand ils racontent leur vie, ils racontent leur vérité. C'est ce qui. Voilà, comme toi, tu racontes la tienne. Et d'ailleurs, en plus, que c'était une espèce d'être qui se camouflait avec. Un peu avec le mur, Avec c'est la ça, en façade briques. du mur du vieux bâtiment à côté de l'hôtel de ville de Saint-Lambert. C'est ça, en briques, c'est ça? Ouais, tu vas voir, si tu vas sur Zoom, tu as l'hôtel de ville, le stationnement et une des plus vieilles maisons. Et il était là, parce Et que est-ce j'étais que... un. Oui? Ouais, excuse-moi. Non, non, je t'ai Non, coupé. vas-y, vas-y. Est-ce que... Je ne sais pas si tu as l'intention d'en parler, mais de l'être qui a communiqué avec toi. Oh, D'une avec certaine... Monsieur Carré? Ouais, est-ce que tu veux en parler ou pas? Oui, c'est ça, j'avais oublié. C'est la dernière chose que j'ai oublié pour faire la présentation d'aujourd'hui. C'est ce matin que j'étais là à mes Gladys, mais c'est parce que je ne l'avais pas dessiné. Alors, c'est en crayon encore. Non, mais c'est pas grave. Et puis après, tu nous montreras aussi l'être que tu avais dessiné déjà et que tu as vu dans le livre d'Elena aussi. OK. Ouais. Si tu peux Ouais. aussi
en toucher deux mots. Attends, parce que là, c'est beaucoup d'émotions. Je commence par quoi? Ce que tu veux. Par l'ordre que Tu tu m'as dit, veux. ah Alors. oui, voilà. Alors, on se retrouve. Il s'est passé des choses vraiment spéciales. Donc, en fait, en gros, je vais vous dire, hein, j'écris mon troisième livre. Je suis à la page 207. C'est très marrant. Tu veux que je te dise la phrase en direct live? Parce que moi, je dis, toute page est dans la matière actuelle. Et il est marqué, oh, je pète comme ça un petit peu le déroulement de l'émission. La force à distance et les liens à créer pour la communication de nos énergies. C'est tout ce que je voulais dire. On continue. Et comment dire, c'est vrai, c'est la 207 pages que je dois faire. Mais tout est connecté avec la matière du présent actuel, au niveau du temps. Et bon, C'est alors, ça. on est en 2021. Monsieur Carré est souvent dans le coin d'Ottawa, à l'hôtel. Et moi, je suis à la maison. Et puis, c'était un mercredi, Attends, il faut que je raconte autre chose avant. Avec Monsieur Carré. D'accord. Alors déjà, Monsieur Carré est un nom qui a été changé parce qu'on préserve son identité. Mais vas-y, comment tu, si tu veux y aller au début, vas-y. Ouais, en fait, non, mais c'est parce que donc Monsieur Carré, je vous ai dit, c'est une personne que je connais depuis longtemps et tout ça, qui a pris des décisions pour le Québec où j'ai dû aider malgré les forces énergétiques très sombres des courants électriques, d'énergie et d'histoire du temps, très important. Car les émotions sont écrites dans les formes des temps, des mots, et créent des charges pour actionner des choses. Et soit. Et ce que je vais raconter avec lui, c'est qu'un jour, vous vous rappelez tous, il y a eu la grosse réunion pour l'Ukraine Oui. à Washington, où le président se présentait à l'Assemblée. OK. D'accord. Et moi, j'étais ici, c'était un mercredi aussi, j'étais ici, j'étais en train de faire, j'avais deux, trois clients. Et j'avais comme un courant électrique, chaque fois que je faisais mes clients, un courant électrique qui passait dans ma main, comme si je serrais des mains, mon énergie sortait de mon corps, j'allais faire des trucs et parler à des gens et pff, je revenais. C'était un millième de seconde et ça paraissait 20 minutes parce que je peux voir quasiment le téléchargement énergétique de ce qui s'est produit pendant ces actions-là. Mais j'étais en train de quoi faire à la maison? Puis là, c'est arrivé trois fois dans ma journée. Puis là, je texte Monsieur Carré, je dis, t'es où? Il me dit, je suis occupée. Alors je dis, ouais. Je dis, parce que j'ai des trucs bizarres là. Est-ce que tu serres des mains? Alors qu'il me dit, bah oui, il me dit, je suis à Washington. Je dis, je suis à l'Assemblée devant le truc. Je dis, ah ok, d'accord. Je dis, ok. Et donc, ça a été vraiment une expérience énergétique que j'ai trouvé ça hallucinant. Donc, c'est mon corps qui, à un moment donné, est tellement en lien et connecté avec Monsieur Carré, énergétiquement par des besoins collectifs, de décisions collectives énergétiques et d'un combat, que à chaque moment où il poigne la main de quelqu'un à distance, mon corps parle aux énergies, à la structure électronique des êtres, en lien électriquement avec eux, et je fais un travail apparemment que j'arrive même pas à expliquer avec des mots. Et ça s'est reproduit 5 jours après. Après, je vais vous parler du gars d'Orion. Et ça s'est reproduit 5 jours après. J'étais en voiture sur le boulevard Grande Allée. J'allais sur Taschereau, à proximité de Montréal. Et je conduisais. Et à un moment donné, la même chose, la même sensation dans la main, mais je suis en train de conduire, tabarnouche. Hein. Est-ce qu'ils sont au courant que je conduis? Mais ils le savent. Je parle tout le temps aux énergies, il y a des trucs bizarres autour de moi. Je dis, bon, alors la même chose, mon corps sort. Je vais quelque part, je fais des choses, je reviens en une fraction de je sais pas quoi. Mais je suis consciente que ce temps-là est comme divisé et qu'il se passe des choses. Et là, directement, je m'arrête sur le côté et je prends mon téléphone. Et je dis, OK, bah, t'as serré la main au vice-président, le président américain. Et là, il me dit, putain, comment tu fais? Je dis, je sais pas. On est full connecté. Donc, il y a plein de choses que je ne sais pas comment je fais. Et de toute façon, tous ceux qui savent ce qui se passe, comment se déroule la vie, je trouve en général, c'est
pas chiant, mais un peu quand même. Hein. La conscience est très intéressante, mais la conscience est d'une puissance phénoménale où on apprend des choses sur soi-même et les autres et les autres dimensions. Exactement. Et Exactement. ouais, et y a un autre truc que je veux absolument mentionner aussi dans ces cas-là. Il y a eu avant tout ça, avant ces deux histoires-là que je vous ai racontées avec les mains chaque fois et le courant et mon énergie qui part. C'est encore des dessins que j'ai pas encore dessinés, tout ça. C'est la fois où les décisions pour le Québec ont été prises par Monsieur Carré au niveau d'un système financier. Et là, j'étais en voiture encore une fois. Là, c'était de toute beauté, Kevin. J'étais de toute beauté. J'ai vu des lumières électriques. Et puis là, j'ai eu la formation électrique. J'ai pris mon téléphone. Je dis, oh, ça y est, ils vont accepter toutes les décisions et tout ça. Je savais. Et là, il me dit, Gladys, je sors de réunion et c'est exactement ça. Mais qu'est-ce que tu... Lui est Asperger, donc lui aussi, c'est un carré. Il peut pas comprendre. Mais voilà, donc la connexion était là. Et donc, on va arriver au moment où on a été contacté par une personne d'Orion et on ne s'en est pas parlé avant 3 semaines. Je suis un mercredi chez moi. Je suis éveillée, j'ai pas de clients à la maison, je relaxe. Et à un moment donné, tout en étant bien conscient, je rentre dans une énergie, une matière où je commence à parler à un être, mais d'une façon télépathique intérieure. Il me dit, on est au courant que tu vois, que tu entends, que tu perçois la matière du temps, que tu crois à Dieu, que tu crois à une force supérieure à la normale. On est au courant de tout ça. Et là, il commence à communiquer avec moi et tout ça, et il me fait comprendre qu'on est dans un temps temporel, avec une circonstance. Où ils ont besoin, où il a besoin de nous parler. Il ressemblait à un être. Il était beau, il avait des belles lèvres, des beaux gros yeux. Et comment dire, c'était pas un homme, c'était pas une femme. Il était aussi doux que guerrier. C'est marrant. Il avait la douceur de Dieu en lui et le tout. Il avait les deux côtés de tout. Ok. C'était Voilà. intéressant. Mais, ok. C'était C'était. vraiment intéressant, mais c'était très, 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 une télépathie énergétique très, très intérieure. C'était toute beauté. Ça a duré 45 minutes, c'est sûr. 45 minutes de communication énergétique avec lui. Mais Dans lui, il notre était, temps. oui, dans notre temps, 45 minutes dans Ok. notre temps. Et lui, il était comme ça. Je le voyais comme ça. D'accord. Et je n'étais jamais retournée, il était tout de côté, et il me parlait par l'intérieur. Puis là, ok, ça se termine, je dis rien. Là, Monsieur Carré m'appelle, il me dit, tu vas me prendre pour un fou? Je dis, bah écoute, moi je vois des énergies, des esprits, je vois le système temporel en accélération, vas-y, raconte-moi, parce que s'il te plaît. Alors il me dit, tu sais, j'étais dans ma chambre d'hôtel à Ottawa, et puis j'étais éveillée, Gladys, je ne dormais pas. Et il y a quelqu'un qui m'a parlé, un être d'ailleurs. Je lui ai dit, attends, 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 attends. Parce que ça serait mercredi d'il y a 3 semaines. Alors il me dit, ouais. Alors, je dis, ok. Je lui dis, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, ben, on est très, très carré. Il a répondu à ses questions, d'où il venait, le pourquoi. Donc lui, il a eu toute la formation très carrée. Il n'a pas eu de communication télépathique. Et lui, c'était parler avec la personne et il lui a montré des trucs. Il en était tellement perturbé et troublé qu'il voulait pas en parler. Moi, j'avais pas envie d'en parler. Puis c'est là où on a fait la connexion qu'encore une fois, comme les astronautes, on était dirigés dans les mêmes capsules où il fallait absolument continuer à faire des choses. Et comment dire, ben voilà, je l'ai dessiné et j'ai trouvé ça pour Alors, moi. est-ce que tu peux nous le décrire? Oui, il avait une grosse tête, hein, des beaux grands yeux, une belle bouche, hein, et il avait une douceur incroyable. Mais ce qui est marrant, c'est que j'étais énervée. Quand il a commencé à communiquer avec moi, j'étais là, oh, laisse-moi faire, de toute façon, moi, je vois le temps, je vois l'énergie, blablabla, j'étais un peu égocentrique. Et puis, il était là, oui, calme-toi, calme-toi, on sait, on sait, on sait que tu vois ça, t'sais, on sait que tu vois ça. Je dis oui, mais moi je crois à quelque chose d'encore plus haut que toi. Je
Et ainsi de suite. Donc, c'était un peu comme ça. C'était vraiment toutes des émotions comme ça. Mais il y a aussi la partie temporelle des formes au système du temps qui a été synchronisée à ce moment-là. Comme moi, je suivais un temps depuis un certain temps, mon temps de ma synesthésie depuis ma naissance a ralenti, rétrograde, jusqu'à aujourd'hui où j'attends de le récupérer. D'accord. Et la couleur de la peau, elle était quelle couleur? Les couleurs de ses yeux? Grisâtre, grisâtre, brun, beau, doux, comme une peau un peu beau, douce. Des yeux, il était de côté, il avait, je sais pas, ses yeux. Non, t'arrives J'ai pas à te plus. souvenir des yeux. Ok. Non, quand je refais mes dessins, il faut comprendre que depuis que j'ai fait mes dessins, les courants électroniques sortent de moi. D'accord? J'ai des courants électriques émotionnels dus à tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent sort de moi. Et c'est pour ça que, il y a quelques mois, mon alarme avait déclenché deux fois chez moi parce que je rêvais que je faisais mes dessins, que ça me faisait du bien. Et après, j'ai remarqué qu'il y avait des petites traces, non pas de jaunie parce que j'ai fait des saletés dans mon lit, non, parce que la fibre a brûlé un peu, en fait. Mais il m'a fallu du temps pour l'accepter. Parce que là, on arrive dans la réalité. Et là, voilà. Et là, je vous ai rencontré. Puis un énorme merci de m'avoir donné la parole. Faut comprendre que quand j'ai fait mon premier, mon deuxième livre, j'ai jamais rien gagné parce que je t'explique un truc. C'est que parler de la vie bioélectrique, personne ne comprenait ça. Et des courants, personne ne comprend ça. Mais tout le monde est branché, par exemple, là-dessus, hein? Ah ben oui, hein? Et alors, quand j'avais proposé ou parlé des gens, c'est comme si je parlais extraterrestre. Surtout il y a 9 ans, dans mon premier livre. Ouais, alors, on va revenir à mon premier livre et le dessin. En effet, qu'est-ce que j'ai connecté quand je t'ai rencontré récemment? Moi, j'avais commandé le livre de Elena, voilà. Et puis, en l'ouvrant, j'ai vu des chocs électriques. Là, j'ai eu peur. Je l'ai mis de côté. Pendant un certain temps. Puis je dis, Gladys, va voir parce que tu sais pas. Tu sais? Et en fait, avant d'aller voir ce que j'avais vu d'électrique, j'ai repris tous mes vieux dessins que j'avais dessinés quand j'ai fait mon premier livre. Et j'ai découvert que, mon Dieu, il y a un truc là, au milieu. Et tu l'as dessiné il y a combien de temps, ça? En même temps que mon livre, il y a 9 ans. Il y a 9 ans. Ok. Ouais. Il faut comprendre que je ne dessine jamais, 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 jamais. J'ai dessiné mon premier livre. Je m'exprime quand j'ai des gros trucs. J'ai jamais vraiment dessiné. Je pense que le plus que j'ai dessiné, c'est dans ce livre-là de ma vie. Ou sinon, je suis pas une personne. Et là, je suis en train de dessiner et ça dégage des choses. Donc, apparemment, je devais le faire. Donc, c'est correct. Donc, en fait, en découvrant Elena et tout ça, je retourne dans tous mes dessins que j'avais faits auparavant pendant. La période, ah, il y a des trucs bien aussi. Je sais pas si tu vas les montrer ou je vais les montrer. Regarde ça. Tu me Tu les vois? enverras, je les mettrai Ben, je te les en ai déjà gros pour que tout le envoyés, je monde puisse pense. les voir. Mais Ouais. bon, il y a lui, il y en a plusieurs autres. Enfin. Mais alors moi, ce qui m'intéressait, donc justement, quand j'ai pris conscience, quand j'ai repris conscience. Ben, quand j'ai connecté avec ta vidéo, avec Elena et tout, tralala, j'ai retourné là-dedans. Puis j'ai dit, putain, c'est vrai, j'ai fait un extraterrestre, moi. Merde. Ok, la vie bioélectrique. Et puis là, tout s'est reconnecté. Alors, je suis retombée dans le livre d'Elena Dana. Et à la page 265, je tombe sur un gars, d'accord, qui ressemblait vraiment avec les yeux indigo turquoise comme moi et qui Eh oui, porte des longues robes. on le voit. C'est à la page combien tu m'as dit? Ouais, 265. Et Ok, puis et ça là, serait un être qui viendrait d'où? d'Orion. D'accord. Ben, ça a toujours été les gens d'Orion. Oui, non mais pour toi c'est simple. Pour toi c'est naturel, mais pour nous qui te regardons, ou... Parce que pour Elena aussi, ça paraît tellement naturel de parler de ces choses-là, parce que vous êtes dedans, vous êtes immergé dedans. Mais pour quelqu'un de l'extérieur, on cherche à comprendre, on cherche des réponses, forcément.
Mais tu sais, quand tu m'as dit la vérité, chacun a sa vérité, parce que moi, quand j'ai entendu des histoires un petit peu du témoignage des liens, j'ai eu peur. Parce que je dis, ah, putain, moi, c'est des gendarmes qui me contactent. Je dis, ah, bah, purée, avec des méchants là-bas. J'ai vraiment tripé ma vie. Hein. J'ai vraiment tripé, mais je dis, OK, l'univers, il est grand. Hein, ben, je vais garder ma vérité énergétique. Je vais remercier énormément les dessins d'Elena et de savoir que ça serait des êtres de là qui sont dans les hautes sphères, des équations temporelles d'un système énergétique connectant toute la galaxie, exactement tout ce que je parle toujours depuis l'enfance et que je perçois. Et ce qui est dingue, c'est que c'est encore une personne qui valide quelque chose d'Elena. Que tu connais pas Elena. Voilà. Tu ne la connaissais pas il y a 20 jours. Comme tu dis, tu l'as dessiné il y a 9 ans. Et le livre d'Elena, il est sorti, je crois, en 2021 ou en 2022. Je Je crois. sais. Je sais plus exactement. Donc, c'est encore une synchronicité. Donc, et t'es pas la seule, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ah ouais, mais j'ai acheté le livre d'Elena, et justement, je vois des êtres qui m'ont pris étant petite. C'est comme je disais, bah, comme je disais pendant la vidéo d'Elena, son livre est un peu une encyclopédie. Même s'il y en a comme Marc, qui lui, les êtres qui l'ont contacté, par contre, ne sont pas présents dans le livre d'Elena. Mais ça, c'est possible aussi. Donc, de toute façon, il y a tellement une multitude d'entités, et donc chacun a sa perception aussi des choses, mais c'est marrant de ton histoire, justement. Et pour en finir, d'ailleurs, avec le personnage d'Orion, il y a une histoire que tu m'as racontée que t'as peut-être pas pensé, c'est les avirons d'Eck. Cette histoire, pour moi, Ah! elle est très, très importante pour moi. J'étais avec mon ex-conjoint, la personne qui descend d'une lignée royale polonaise, qui a son effigie à Washington. C'est pour ça qu'à travers le temps, il y avait Washington, il y a Monsieur Carré aussi à Washington. Vous voyez Ok. un petit peu en gros. Bon, je suis avec ce C'était en quelle personnage-là. année? On est descendu Aux avirons d'Eck? aux Amirondacs. Écoute, attends, j'étais avec lui en 2000. Peut-être en 2009 ou 2000. Non, menteuse, c'est pas ça. Je ne sais plus les dates. Écoute, attends, Oh, la donne ligne du. une fourchette, la date exacte. Une fourchette, ben, ça doit remonter à il y a 9 ans. Ok. Encore. Avant ton livre. Avant mon premier livre. Ok. Ouais. On est. Mon ex-conjoint, il achète beaucoup des choses sur eBay, des bateaux et tout le tralala. Donc on part, il achète. On part le vendredi soir et on vient le dimanche. En général, on va chercher tous des items aux États-Unis. Avec grosses remorques, gros camions, la vie d'aventuriers qui vont chercher des choses. Et on passe par les amis au deck, hein, et je te jure, je ne sais pas ce qui s'est passé. On a gardé l'heure et il y a 3 ou 4 heures, on ne sait pas où on était. Trop noir. Mais ce qui est amusant avant que ça se passe, c'est qu'on Voilà. passe à une hirondelle et je vois comme des sphères qui flottent comme ça. Et pour moi, c'est comme totalement normal dans mes émotions. Je dis, ah, c'est cute, vous êtes beau. Tu sais? Je me dis juste ça, j'aime ça. Et pour moi, c'est logique, c'est normal. Comme depuis le début de mon enfance, je sais qu'ils ont toujours été autour de nous, que les âmes aussi l'ont toujours été. Pourquoi il y a une fragmentation ou un blocage des courants électriques, les corbeaux qui chantent là et qui crient maintenant, pour des raisons d'équation, d'énergie, d'un monde pour protéger. Faut jamais non plus croire qu'on se fait attaquer, il faut plutôt croire à la protection. Donc, ça nous est arrivé, et puis, oh my God! On ne sait pas du tout où on a passé. Je pense qu'on a regardé l'heure. Il devait être 11 h ou midi, puis pouf, il était 4 h. En une fraction de seconde. C'était côté États-Unis ou c'était côté Québec? Déjà les États-Unis. C'était les États-Unis. On avait Ok. déjà passé là. Ouais. C'était hallucinant. Ok. Et est-ce que tu penses que ça aurait pu avoir un lien, par exemple, avec du recul sur les aides d'Orion?
Ben moi, ben là maintenant, avec vous et vos histoires, avec mon cœur, je me dis tout est connecté. Ils ont à faire ce qu'ils ont à faire et nous, on a à vivre dans une matière pour des combats énergétiques. Je pense que ça peut être fragmenté et que ça doit être un combat directement avec l'atome. Comme la matière constitue tout être, s'il y a des difficultés, on combattra toujours par le monde invisible. Et l'élément le plus petit, on a eu l'histoire que vous connaissez. Donc, c'est un combat dans la matière qui est opéré ou qui opère en général. Et on va dans l'élément le plus petit qui constitue la matière, l'atome. Et on passe par l'énergie. Et à mon avis, on est fragmenté à travers tout ça pour des choses. Alors, j'ai pas eu peur, mais vraiment la surprise avec lui, tu aurais dû voir ses yeux. Il était là, non, c'est pas possible, il n'y a pas 4 heures. Hein? On a juste traversé. Ça fait honte. On a dû s'arrêter pour dormir parce que ce n'était pas prévu. On ne sait pas où on était. On ne sait pas du tout. Est-ce que tu as essayé de rechercher ce temps manquant justement de 4 heures? Est-ce que par la suite tu as voulu faire des hypnoses pour rechercher ce moment-là ou... J'en ai jamais fait. T'as raison. Peut-être qu'il faudrait que j'aille expérimenter ce moment-là. T'as raison. Pour comprendre peut-être qu'il y a une pièce manquante à ton puzzle maintenant que même ce qui s'est passé étant petit. Ces êtres qui sont venus par le portail vivant. Mais j'étais grande, hein, j'avais 27 ans. Le portail, c'est moi qui l'ai ouvert Oui. avec mon cœur. Les Ah, autres. là, tu étais grande, ok. Mais ce Ouais. moment-là où on t'a endormi, vu qu'aujourd'hui, tu as fait du travail et puis que tu as moins peur, peut-être que tu peux revivre, aller chercher ces moments-là qui il te manque du temps pour. Mais la peur, c'est en lien avec le courant collectif de la pensée. Comme je suis dans la matière électrique, OK. Mon cerveau est dans la matière, ma peur vient de la peur collective, du manque d'information. Moi, ou sinon, sans être en contact avec l'information de la pensée collective, j'ai pas peur. Ok. C'est parce que c'est là où je vois qu'il y a un travail et je trouve que tu fais un merveilleux travail justement pour aller chercher Merci beaucoup. une, ouais, vraiment. Donc, on va clôturer, ça fait quand même bientôt 1 heure et demie. Ah, mais ça va. C'était parfait. Écoute, Ah, où est-ce qu'on peut te retrouver? alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Pour ton. Si les gens veulent te parler, si. Ils veulent acheter tes livres OK. qu'on mettra dans la vidéo. Comme je fais de l'auto-édition parce que mon monde bioélectrique n'était pas adéquat jusqu'à présent et que bon, je me suis quand même mise sur Amazon. OK, pour si vous voulez trouver des courants électriques dans vos énergies à travers mes mots, pourquoi pas. Sinon, je suis une personne assez ouverte. Moi, un message via les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, c'est assez facile de rentrer en contact avec moi si il y a quoi. Mais encore là, une fois, tout est temporel. Donc, si on doit se rencontrer, on se rencontrera. Très bien. Parce que regarde, tu sais bien, hein, quand j'ai regardé ton première interview, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu m'as dit, comment tu nous as rencontrés? Ben, qu'est-ce que j'en sais? Moi, le matin, je mets mon écran comme ça, là. Je mets de la musique sans instrument parce que les voix me parlent toujours, les courants temporels de chaque chanteur, et ainsi de suite. Et là, je sais, ben, à un moment donné, il y a une vidéo de toi qui m'a fait rire. J'ai regardé. Voilà où je suis D'accord. aujourd'hui. Ouais. Ben, c'est... Il faut dire aux gens, parce que tu peux paraître très extravagante, c'est que dans ta tête, ça va très très vite. Ça peut Et aller très vite. tu n'as pas non plus de filtre comme nous on a. C'est pour ça que je dis que tu es particulière. Donc peut-être aussi, comme on disait, et qu'on disait souvent, oui, c'est des êtres à part, ce sont des autistes. Ah ouais, as-tu, Alors. j'ai pas raconté l'histoire, mais je l'ai jamais raconté. On prend 2 secondes, vite, vite. J'étais au salon de coiffure, au centre-ville, et puis là, un jour, je vais aux ailes de la mode à côté, et il y a un enfant qui était dans sa chaise comme ça. OK? Je passe à côté de. Non, non, excuse-moi. Je vois un enfant normal dans une chaise avec sa maman derrière en train de le pousser. On se voit, on connecte par des courants électriques et on se parle et on rigole.
et on s'amuse, juste en passant comme ça. Et on rigole, on s'amuse. Je vais faire chez Jean-Coutu une petite course, je reviens et puis après, je vois le gamin comme ça. Et il est là où j'ai compris que j'ai connecté avec des êtres. Tu vois ce que je veux dire? Ça a été un moment Ouais. dimensionnel où j'ai connecté et et c'est là où j'ai voulu aussi comprendre un petit peu, tu parlais d'autisme et tout ça, Voilà, comprendre aussi comment le fonctionnement fonctionne. l'humain te mettra dans cette case. Mais moi, je trouve intéressant chez les autistes, et de toute façon, tous les autistes sont surdoués. Ils ont des capacités extraordinaires, que ce soit mathématiques, des capacités. D'ailleurs, il y a plein de films qui ont été faits sur les autistes, Code Mercury. Et toi, t'as jamais été diagnostiqué, c'est ça? Mais tu as une capacité, tu es toujours entouré d'Asperger, comme tu disais, Asperger, de... beaucoup, des gens très carrés, car moi je ne le suis pas. Ouais. Je Mais suis dans t'as cette l'émotion. capacité-là de comprendre ces gens-là. Ils sont attirés. Ils savent Ouais. que. Ah, quand j'étais à l'école, j'étais à l'école AY. À l'école AY, je n'étais pas bonne à l'école parce que mon système temporel accélérait, puis je sentais la matière, des corps et tout. J'étais à l'école. Et tu sais quoi? Tous mes meilleurs amis, c'est les premiers de classe. Alors, l'inconscience a fait qu'ils sentaient quelque chose chez moi de différent. C'était mes meilleurs amis. Encore jusqu'à aujourd'hui, c'est des gens qui ont un gros cerveau. Et parce que c'est comme ça. Non, moi, je dis toujours, j'ai de la synesthésie associative neurologique. Je m'appelle Gladys. Et des fois, des trucs s'activent. Et voilà, je suis ce qui s'active. C'est ça, puis t'as même des gens qui diront t'es TDAH, c'est une nouvelle maladie à la mode. Ah, oh, mais c'est des Parce étiquettes que temporaires. aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui, il faut mettre une étiquette à quelqu'un. Donc, Oh, il mais faut tu peux mettre. m'en mettre, hein, j'ai de la place. Non, Tu non, peux m'en mettre. moi, je te mets Non. rien du tout comme étiquette. De toute façon, il y a des gens qui s'en chargent de nous les mettre à nous, les étiquettes. Alors, on va pas se les mettre, on va pas se les mettre nous-mêmes. Moi, pendant le moment de la pandémie, je ressemblais à une mère qui attrapait tous les courants électriques de tous mes clients, qui les soignait avec le cœur. Et que j'avais l'impression qu'on était très peu à être présent, à continuer à travailler, de ne pas avoir les breaks électriques de ce qui se disait, tu sais. Et ce passage-là m'a amené une grande confiance en moi, de voir clair en moi, de voir la vérité en moi, de voir la vérité tout simplement. Et les vérités de tout le monde aussi, où je suis très, 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 très respectueuse de ces vérités-là. Si elles existent, c'est pas pour rien. Parce que bah, c'est ça, hein, sans obscurité, il n'y a pas de lumière. Sans lumière, il n'y a pas d'obscurité. Donc, c'est toujours un combat énergétique. Et plutôt, on va arrêter de parler de combat, on va parler d'équilibre. Ouais. Oui, parce que quelque part, l'obscurité est nécessaire à la lumière et vice-versa. Oui. Donc, c'est le yin et le yang, c'est l'équilibre Exactement. de l'univers, c'est l'équilibre sur la Terre, c'est l'équilibre énergétique. Ben, écoute, je te remercie énormément. Mais Si vous c'est voulez moi qui te contacter, remercie. ben moi, c'est un honneur pour moi de Ben te moi aussi, recevoir c'est un parce que honneur. T'as pu, moi je voulais te donner la parole parce que ça va parler à des gens, c'est certain. C'est certain que ça va parler à des gens qui te contacteront. D'ailleurs, tu es très facile d'approche. Donc, contactez Gladys, achetez ses livres parce que ses livres sont très, c'est son identité. Et puis, C'est surtout, la matière. tu les as, oui, mais tu ne les as pas écrits pour rien. Il y a des gens qui ont besoin de la matière pour assimiler aussi. Ouais, ben, Mais, moi j'ai toujours dit, le premier livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est tous les autres qui m'accompagnaient. Deuxième livre, c'était beau, il y avait une boule d'énergie toujours à côté de moi. Enfin, soit. C'est énergétique, c'est pour l'énergie.
je te remercie infiniment. Merci à toi. Et puis, on se revoit bientôt. Et puis, Avec plaisir. seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Oui. Merci Bye beaucoup. Bye. bye. Bye.